Yo, what's up les gamers, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Condé, on se retrouve aujourd'hui sur un serveur méga cool, les amis, en compagnie d'Aurélie. Mais juste avant qu'Aurélie active son micro, les amis, je devais vous parler de quelques petits trucs. En gros, on se retrouve sur quel serveur? On se retrouve sur Battle PvP, le serveur de Max 4230. Il y en a peut-être d'entre vous qui le connaissent, c'est un pote à moi. Et puis j'ai décidé de faire un petit let's play sur son serveur car il m'a bien plu. Et puis j'ai quelques petits avantages qui m'ont bien fait plaisir. J'ai décidé de faire mon let's play avec Aurélie parce que Aurélie, elle est swag. Et puis voilà. So, en gros, les amis, sur le serveur, il y a ce serveur PvP Faction avec quelques trucs inédits, un peu comme pas mal de serveurs, ils ont toujours des petits trucs inédits. Je vais vite fait vous présenter le spawn rapidement. Et puis après ça, je vais rentrer dans mon épisode de Let's Play. Pour l'instant, Emily, excusez-moi, Aurélie, elle a pas vraiment un micro top top. So, il y a des petits bruits de vent vu qu'elle est via une tablette. Vu que c'était la seule façon dont elle pouvait utiliser sa voix. Et je voulais pas vous proposer une vidéo où j'étais tout seul. Je voulais vous proposer une vidéo où il y avait quand même quelqu'un qui pouvait parler avec moi, interagir avec moi. Alors en gros, elle a pas un micro top top pour l'instant, mais ça va venir au fur et à mesure. Peut-être que pour Noël, elle recevra un micro. Qui sait, on le sait pas, le Père Noël va passer bientôt, les amis. So, voilà. En même temps, je vous poste cette vidéo le jour de Noël, alors je vais en prendre le temps de vous souhaiter un joyeux Noël à tous. J'espère sincèrement que ce soir, vous allez fêter comme des oufs. Mais faites attention, les amis, l'alcool, à prendre avec modération, bien entendu. Si vous avez l'âge de prendre l'alcool, si vous êtes trop jeune pour prendre l'alcool, prenez pas d'alcool, les amis. C'est une prévention. Alors, je sais qu'elle est en train de rigoler, je la vois sur la webcam, elle a un putain de sourire et tout. Ah là là. Bref, ouais, voilà. So, en gros, c'est un serveur PvP Faction avec beaucoup de trucs inédits que vous allez découvrir tout au long de notre aventure. Bon, après, moi, vous pouvez voir, j'ai des cœurs parce que, ben voilà, moi, j'ai des cœurs avec Aurélie, on a des cœurs parce qu'on est des magiciens et des magiciennes. Et puis voilà. Mais normalement, les amis, vous avez des particules, plein de trucs. Je vais vous montrer les particules flammes, je crois que ça s'appelle des flames. Des particules comme ça, des particules normales et tout. Puis moi j'ai des hearts. Et puis il y a plein d'autres trucs aussi. Il y a des potions, des nouvelles sortes de potions. Il y a des potions de hunger, des potions de wither. Et il y a plein de petits shops inédits que je trouve vachement cool. Je crois pas que j'ai jamais vu les shops sur d'autres serveurs comme ça. Je trouve ça vraiment cool. Dans des trucs, on peut tout acheter, tout ce qu'on veut. Je trouve ça vachement cool. Il y a d'autres petits trucs ici. Je sais pas trop c'est quoi encore. Réception d'achat, ça c'est comme une banque, j'ai l'impression. Ah ouais, ça c'est l'hôtel de vente. On peut vendre nos items au prix qu'on veut. Ah ben ça va être intéressant pour nous. On pourra acheter les trucs qu'on veut et tout. Là puis nous, c'est swag ça. Genre on veut une FK5, on peut l'acheter pour 600$ et tout. Ah ouais, ça c'est bien. Et là les réceptions d'achat pour voir qui a acheté nos trucs. On peut aussi vendre nos propres trucs. Bon, ça je vais expérimenter peut-être plus dans un autre épisode, dans un épisode de Let's Play. Ça va être un Let's Play, les amis, si vous inquiétez-vous pas. Ça c'est les. Ça, en fait, il y a un event give un peu en ce moment vu qu'il y a 50 joueurs de connectés. Max organise des events assez réguliers. Des events assez réguliers. Et puis voilà. J'ai décidé de commencer à Let's Play sur ce serveur-là, les amis. Pourquoi sur celui-ci et un autre? Parce que j'ai commencé à jouer vite fait avec Aurélie. Et puis on a pris plaisir à jouer. On s'est vraiment amusé, mais vraiment grave. Genre, on a rigolé et tout. Puis je trouvais que c'était intéressant. Et puis voilà. Puis en même temps, ben, Max est un poteau. So, je me suis dit pourquoi pas l'aider à qu'on fasse un Let's Play sur le serveur. Fait que je vous invite à venir nous rejoindre quand même. Hein. On va recruter des gens. Moi et Aurélie, on va choisir entre vous quelques-uns d'entre vous. Alors Aurélie et moi, on va regarder les commentaires de cette vidéo-là. Puis les gens qui diront moi je veux avec une petite présentation. Puis on va en choisir quelques-uns d'entre vous pour que notre faction puisse avoir des joueurs, pour qu'on puisse avoir du power et puis qu'on puisse tous s'amuser ensemble. Voilà. Après ça, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Tu peux activer ton micro si tu veux. Je pense que j'ai rien oublié vite fait comme ça. Je pense que j'ai tout Je dit, pense n'est-ce pas? pas. Voilà, c'est nickel. Et puis ben voilà, c'est comme ça les amis. So, on va commencer le premier épisode maintenant. En gros, je crois que c'est pas mal tout présenté. Les trucs à savoir, c'est qu'il y a des œufs de creeper, l'obsidienne est pétable, la bedrock est pétable, il y a de la bedrock de disponible. Il y a plein d'autres trucs, il y a plein de grades VIP, plein de kits, plein d'autres trucs vite fait. Alors je vais vous montrer mon underchest vite fait. De la bedrock, de l'obsidienne, des œufs de creeper, plein de trucs, des sponges, qui est aussi assez intéressant. So, bedrock et tout. Fait que vous allez où? Pour ça, on a une base déjà, moi et Aurélie. On a une faction, la Bifree, bien entendu. Ah, oh, attendez, j'ai juste pas présenté ça. Il y a la banque ici. Je sais pas encore trop qu'est-ce que ça peut faire. Mais bon, il y a Zello. Oh, c'est un coffre sécurisé. Genre, on peut mettre tout ce qu'on veut. Et puis sans qu'on le perde. Ah, ok. Ah, ouais. Ah, ça, c'est cool. C'est un peu plus grand qu'un Under Chest. Je sais pas si t'avais vu au spawn. Non, attends. Viens, je vais te montrer. C'est vachement cool. J'arrive, j'arrive. Il y a des enclumes sur les côtés normalement. Comme là il y a une enclume, là il y a des enclumes et tout. Il
Y'a là un gars, on va le tuer. Il me donne des diamants. Merci. T'es où? T'es là? Je suis au sol. Ok, viens sur le côté ici, je te vois. T'as les cœurs et tout, je t'ai vu. L'autre côté. Il est derrière. C'est là. Suis mes cœurs. Wesh. Regarde ici, viens, la banque. En plus, c'est super bien, hein. Je trouve ça super swag. Regarde, là, on a un coffre sécu. On l'ouvre et on peut mettre tout ce qu'on veut, genre sans qu'on se les fasse voler, quoi. C'est un coffre sécurisé. On peut pas se faire piller tous les items qu'on aura mis là-dedans. Exemple, on a des P4 et tout, on les mettra là-dedans et tout, comme ça on se fera paniquer. Ouais. Et puis en gros, les amis, dans cette série-là, j'ai essayé de faire des pillages, un peu de tout dans le fond. Et puis j'espère sincèrement que ça va vous faire. J'espère sincèrement qu'on va pouvoir aussi avoir 150 pouces bleus sur cet épisode-là, que vous allez être capable de la partager sur les réseaux sociaux et tout pour le jour de Noël aussi, les amis. Ça serait vraiment cool. C'est Noël le 24 ou le 25, genre pour toi? Genre, y en a qui fêtent le Noël le 25 et y en a qui fêtent le 24. Toi, tu fêtes quel jour? Moi, je le fête les deux. Ouais, moi aussi, même chose. Sur le 24, c'est chez la famille de ma mère, et chez le 24, la famille chez les amis et tout. En gros, voilà. C'est la même chose pour toi, non? Ouais. Tu m'as foutu un putain de blanc d'un coup, là. C'est pas sympa. Fait qu'on va aller à la base et puis on va vous présenter un peu notre base. Lo, je vais te laisser la présenter, notre petite base mignonne et tout. Bah, je pense qu'il a volé, hein. C'est il faut que tu expliques, vas-y. Qu'est-ce que c'est? C'est les murs d'obsidienne. Ok, genre elle me laisse tout expliquer, la meuf. D'accord, ok, bah je vais le faire alors. En fond, les amis, notre plan, c'est de mettre toutes les murs en stone brick avec du bois comme ça. Mais bon, là, faut trouver du bois comme ça, on en a plus. On en avait au début, mais là, on s'est éloigné de notre endroit du début. On a un petit peu d'objets dans nos coffres, on n'est pas super super riche. Comme vous pouvez voir, on a miné quand même beaucoup. On a miné vraiment beaucoup d'opsy, hein. D'opsy, on a miné comme des ouf, mais de malade. Attendez, on va aller dans mes stats, statistiques, blocs d'obsidienne. Va voir combien t'en as miné. J'en ai miné quand même 700 quelque chose, et j'en ai posé 500. J'en ai miné 500, j'en ai posé 700. Voilà, j'en ai quand même miné pas mal. Et j'en ai miné aussi avec le compte de Yasmina. Je vais vous montrer vite fait. F-Show, Yasmina Extra, j'ai joué quand même dessus pour qu'on puisse avoir du power. Fait que voilà. En gros, je vais vous inviter, vous les amis. Moi et Aurélien, on va choisir. Hein. Ça va vraiment être moi et elle qui va choisir. C'est ma série à moi et elle. C'est moi qui est elle qui va choisir tout. C'est nous qui va prendre les décisions. Puis voilà quoi. En gros, on va vous inviter, moi et puis Aurélie. Alors, c'est quoi pour te mode? Je crois que c'est pro mode. Il faut se TP à lui. Non, TP, toi pas. Et puis voilà. En gros, tu t'es TP? Check, regarde, on va voir ça n'a nous. Et puis en gros, ben c'est pas mal ça les amis. J'espère sincèrement que ça va vous faire plaisir. Et puis je vais aussi, je l'ai peut-être pas dit, mais je vais faire des séquences PVP, des trucs comme ça. Puis peut-être pourquoi pas faire des vidéos avec Max aussi, vite fait. Ça peut être vachement cool, comme j'ai dit, c'est quand même un poteau, il est quand même vachement sympa et tout. Puis voilà. En gros, je vais vous laisser là. On va plutôt, ben je vais juste couper dans le fond, puis je vais vous reprendre après quand on aura de la stone brick, parce que là on en a pas vraiment beaucoup. Fait que je vais faire cuire ça, je dois aller miner, je dois aller sécure la base, je dois claim autour et tout. Fait que je vais faire tout ça les amis, et puis on se retrouve tout de suite après, je vous dis. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, c'est une bonne idée, non? Ça va être long, mais bon, ça va. Ouais, ça va aller. Bah pour eux ça sera pas long, ça va être une fraction de seconde, mais bon, pour nous ça va être un peu long. Mais ouais, fait qu'on se dit à tout de suite les copains. Bijou bijou. Yo les gars, les hommes, les femmes, mes amis, venant de la planète Terre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, je viens de mourir comme un gros kikou. Et puis en gros, j'avais l'intention de vous présenter les avancements que j'avais fait avec Aurélie. J'ai beaucoup joué avec Aurélie en off, j'avais pas envie de filmer les amis, j'étais vraiment en train de m'amuser. On a vraiment rigolé extrêmement beaucoup et puis j'avais pas la tête vraiment à filmer. En plus que je suis encore un peu malade et tout. Alors, je vais juste vous récapituler qu'est-ce qu'on a fait, en fond. Et puis, je voulais aussi m'excuser pour les bruits de micro. Je vais essayer de corriger le plus possible au montage. J'espère que ça va réussir. Je suis encore désolé pour la qualité de l'audio dans la séquence que vous avez vue avant. Mais bon, j'adore jouer avec Aurélie sur Walou. Je vais pas m'en priver parce que, voilà, le micro de pas super super niveau sur les records parce que...
En privé, ça passe encore. Fait que voilà. En gros, let's go, allons-y. Par exemple, j'ai plus ma efficacité 5. Faudra peut-être que je la refasse. Je suis mort avec, dans le fond. Ça va être chaud. Kit, ouais, vous voyez, j'ai pas encore mon kit. Faudra attendre le kit assassin. Quête à assaut. What the fuck, qu'est-ce que je dis assassin? So, la base des amis, je vous l'ai peut-être pas présenté, mais en gros, les deux lignes que vous voyez vides là, je vais mettre des lignes de bedrock. Elle fait environ deux couches de bedrock. Encore le dessous, le dessus, c'est pas encore fait, mais deux couches de bedrock de chaque côté, plus le mur de bedrock qu'on peut voir à l'intérieur, du moins que vous avez vu. So, c'est quand même pas mal. Le mur, notre base commence à partir d'ici. Tu vois, on a un bedrock, ça. C'est quand même pas si pire, là, tu sais, on s'entend. La bedrock, c'est. Je l'ai eu grâce au kit assaut. J'ai aussi pas mal d'autres trucs. J'ai eu pas mal d'obsidienne. J'ai miné pas mal d'obsidienne. Je vais vous montrer vite fait. Je pense que je vous l'ai déjà montré. Mais j'ai quand même miné pas mal d'obsidienne. Bloc. J'en ai miné. J'en ai 500. J'en ai posé 1000. C'est quand ça, on a quand même miné. C'est-à-dire que. Ouais, j'en ai miné 1000. J'en ai posé 1000 parce que j'ai aussi miné avec le compte. De Yashmina, parce que j'ai utilisé le compte pour avoir les 10 de power, fallait que je reste quelques temps à AFK dans le fond, ou à train de jouer quoi, en gros, si vous avez compris ce que je veux dire. Et puis j'ai décidé de miner l'obsidienne avec ce compte là dans le fond, parce que voilà, j'ai dû en miner environ, ouais, environ 500-600, et puis sur ce compte là 500-600 aussi, même chose. Sans compter ceux que j'en ai eu 32 dans mon kit, quand que je me suis connecté, j'ai fait le kit assaut, et j'ai eu 32. Aussi les amis, je voudrais vraiment vous expliquer dans le fond un peu tout ce qui va se passer sur ma chaîne, etc. MC, alors pas MC, dans les séries PvP Faction, il y aura cette série ici, Battle PvP, il y aura toujours du Horizon Craft, et puis il y aura normalement, si je me dis pas de bêtises, what? Le serveur Team Soup de Slide, qui est pas vraiment un PvP Faction, c'est pour ça que je le compte pas vraiment comme un PvP Faction, c'est plus comme un Team Soup. Fait qu'en gros, il y aura juste ces deux serveurs-là, et puis. Ouais, écoutez bien. Dans tout ça, les amis, je vais rajouter par semaine, exemple des épisodes. Exemple, je vais jouer sur Iceworld et je trouve une faction, je la pile, ben je vais la rajouter dans ma série. Exemple, je joue sur Scandicraft et tout, et je trouve une faction, ben je vais la mettre dans une. Je vais juste faire une vidéo comme ça, quoi, des vidéos random de pillage, sans nécessairement qu'il soit dans une série PvP faction. Pour moi, une série PvP faction, les amis, c'est pas que des pillages, même si pendant un bon moment, je pensais que c'était ça. Mais en vrai, c'est quand qu'on crée une faction, qu'on s'amuse avec nos amis. C'est vraiment ça, le faction, puis c'est vraiment ça qui m'intéresse dans le faction. Je vais toujours piller des bases, même dans cette série-là, les amis. Je vais essayer d'en trouver le plus possible. Inquiétez-vous pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas juste ça, vous comprenez? J'aime bien aussi, tu sais, m'amuser avec mes amis, et pas juste détruire. Bon, c'est sûr que c'est le fun de faire péter et tout, mais bon, après un moment, à certains moments, faut quand même se rendre compte que c'est pas tout le monde qui aime ça, etc. Fait qu'avec les séries faction. Je peux faire des tutoriels et puis je peux faire plusieurs trucs. Tu sais, je suis vraiment fatigué, j'ai pas dormi depuis environ 12 heures. J'ai fait beaucoup de montage, beaucoup de trucs ces derniers temps. Ces dernières heures, je suis beaucoup, beaucoup fatigué. En plus, je vais aller jouer une game après CSGO parce que j'avais promis à un ami d'aller jouer une game. Enfin bon, je suis vraiment claqué. Pour répéter tout ce que je voulais dire. Vite fait, ouais, dans les séries PvP Faction, dans mes let's play, je peux faire de la construction, du pillage, du PvP, et puis plein d'autres trucs, là, des tutoriels pour comment créer des bases, etc. Fait que ça m'intéresse fortement. Ça fait une couple de temps, là. Je joue quand même pas mal souvent. Je me connecte environ je me connecte de 3 à 4 heures sur le serveur par jour, les amis. Environ, mon temps sur Minecraft, je le passe pas mal tout ici. Et puis, je passe aussi du temps sur Horizon à faire la modération, vu que je suis modo. Et puis, à part ça, je joue pas mal juste à CSGO. Je réponds à des mails, je réponds à des abonnés. J'essaie de vous parler le plus possible. J'essaie de beaucoup répondre sur Skype en ce moment. Surtout que c'est Noël. So, je me suis dit qu'en répondant à tous les messages chaque jour avant de me coucher, je m'installe dans mon lit le soir, les amis. J'ouvre mon portable et je regarde tous vos messages que vous m'avez envoyés durant toute la journée. Même chose pour les commentaires YouTube. J'essaie de tout répondre ces temps-ci, tout like les commentaires. Au moins, du moins, tout liker. Puis j'espère vraiment que ça vous fait plaisir, les amis. Je m'investis beaucoup dans ma chaîne YouTube en ce moment. J'espère sincèrement que ça se voit. J'espère sincèrement que vous appréciez. Même s'il y en a beaucoup qui n'aiment pas mon type de personnage, si on peut dire ça ainsi, dans le fond, depuis un certain temps, j'utilise beaucoup de gros mots, beaucoup de vulgarité. Et je sais que c'est pas tout le monde qui s'appelait, so je vais essayer de faire attention le plus possible. Mais en général, putain, c'est dégueulasse de faire ça, j'aime pas ça. Mais
En général, je vais essayer vraiment de travailler fort, 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 pour que ça se reproduise plus. Sur ce, les amis, j'espère que cet épisode va vous faire plaisir. Si vous avez plaisir, partagez-le sur Twitter. Je vais follow quelques-uns d'entre vous qui le partageront sur Twitter. Je vous aime tous du plus profond de mon cœur. N'oubliez pas de me follow aussi sur Twitter si vous voulez tout savoir sur ma vie. Bisous, bisous. C'est Tricone, le Pikachu de l'Internet. Je vous aime. Bisous!